Aujourd'hui, je me suis réveillée. J'ai commencé à regarder beaucoup de mèmes français sur TikTok. Oh là là, c'est la décadence. Ouh là là, c'est la décadence. Dans cette vidéo, je n'utilise pas le traducteur. Donc, si je fais une erreur, excuse-moi, je ne suis pas française, mais je vais essayer de faire de mon mieux de parler uniquement en français dans cette vidéo. Bonjour human, c'est moi, your favorite human. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je vais très très bien, comme vous pouvez le voir. Il y a presque 3 mois que j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai dit que je vais essayer d'apprendre français pendant 3 mois. Dans cette vidéo, je n'utilise pas le traducteur, donc si je fais une erreur, excuse-moi, je ne suis pas française, mais je vais essayer de faire de mon mieux de parler uniquement en français dans cette vidéo. Donc, je vais vous montrer la différence entre quand j'ai commencé à apprendre français et maintenant. C'est parti! Voilà, c'est moi! Et ça, c'est mon journal où j'écris uniquement en français. Et ça, c'est mon livre de nouveaux mots que j'apprends en français. J'essaie d'exprimer mes pensées sur ma journée avec ce journal. Et s'il y a un mot que j'ai oublié, j'utilise le traducteur. Woke up, je me suis réveillée. Yeah. Je me suis réveillée. Réveillée, EJ. Aujourd'hui, je commencer. Non. Je commence. Aujourd'hui, je commence à écrire ce journal afin d'améliorer mon français. Je le mettrai à jour chaque matin pour noter les choses que je dois faire pour la journée. Aujourd'hui, je me suis réveillée vers 11 heures. J'ai regardé mes messages sur WhatsApp parce que j'avais laissé à ma mère une note vocale. Après environ un mois, j'essayais de parler sans écrit d'abord et ça m'aidait très bien parce que j'ai commencé de penser en français et voilà. Aujourd'hui, je me sens normal, rien de grave. J'avais les cours à l'université. Du coup, je me suis réveillée un peu tôt aujourd'hui. Et maintenant, je viens de rentrer chez moi. Et je vais cuisiner riz avec le poulet. Parce que j'aime bien le poulet. Et après, je vais me reposer. Yes! Bon,
J'ai commencé à traduire les chansons françaises. Quand j'écoutais, je les traduis en anglais, comme ça. Le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines, the sun which we miss, which will burn all our sorrows. Le soleil qui nous hante, oh reviens soleil, soleil. The sun which haunts us, I think. Oh please come back, the sun. Je suis un traducteur maintenant. J'ai commencé à faire les vidéos sur ma story Instagram et sur TikTok aussi. J'ai juste parlé comment s'est passée ma journée et tout, comme ça. Ça m'a aidé à trouver un nouveau mot et tout. Et voilà. Salut les gars! Aujourd'hui, j'ai travaillé un peu avec mes camarades. Parce qu'on a beaucoup de projets, de voix et tout. Et maintenant, je vais aller au supermarché. Supermarché. parce qu'on a reçu deux cartes cadeaux, I think, gift cards. Ça, c'est 25. Passer ma journée avec vous. Avec vous, all of you. Celle-là va être fou, mais j'ai commencé à regarder beaucoup de mèmes français sur TikTok. Et certaines d'entre eux vivent gratuitement dans ma tête. Par exemple, oh là là, c'est la décadence. Oh là là, c'est la décadence. Excuse-moi, parfois je suis folle, là, mais bon. Bon bah voilà, maintenant je peux avoir des conversations en français avec mes amis, avec les gens qui sont français. Une tête de zombie, tu es bien. Aujourd'hui je suis bien plus que hier j'étais trop, j'étais dead full. Je me suis rendu compte, hein. Oh là là, ouais. On aurait dit un petit zombie. Mais j'ai dormi trop bien hier. Je me suis réveillée vers, je crois, 6 heures. Oh là là, ouais, c'est tôt. Oh, ouais. C'est tôt. Ouais, j'ai pris du thé que tu m'as donné. Et après, tu es bien? Oui, cool. En fait, j'ai déjà pris, je crois, 4. Ah ouais. Oh, je reviens. Mais il y a encore un souci avec masculin ou féminin. Parfois, je vais dire le, la, un, une, deux, du. Je suis pas sûre. C'est un peu compliqué pour moi encore. Mais je crois qu'avec le temps, ça va être facile pour moi, peut-être. D'autres problèmes que j'ai, quand je parle avec les gens qui sont français, ils parlent trop vite, trop vite. Donc, c'est pas trop facile pour comprendre toutes choses qu'ils m'ont dit, mais maintenant je peux comprendre beaucoup de choses plus qu'avant. Avant j'ai compris rien, maintenant je peux comprendre beaucoup de choses plus qu'avant, et maintenant je peux regarder films sur les films français sur Netflix sans sous-titres. Et voilà, je crois que mon français s'est amélioré très bien maintenant. Je suis trop contente, je suis fière de moi. I think I'm proud of myself. Et je crois que avec le temps, peut-être pendant 6 mois ou un an, je vais être française. Je crois que
avec le temps, ça va être facile pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez les notifications, partagez, aimez, commentez. Et merci beaucoup. À la prochaine. Bisous.